Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kim et Guillaume sur Animal Crossing épisode 3. Donc vous êtes toujours nombreux à vouloir ce let's play et à l'aimer, à mettre des pouces bleus et des commentaires et ça me fait super plaisir. Donc je vais faire ça sur toutes les vidéos hein, bien sûr. Donc on se retrouve dans la ville de Gekaland et j'avais dit déjà qu'on irait pêcher au tout début. Alors je vais juste faire le tour. Oh non, il y a une maison qui se met juste derrière moi. Je pensais être toute seule tranquille et au final il y a une maison qui se met juste derrière moi. Bon, bah c'est pas grave. Alors là, il y a un truc. On va équiper le filet. On va y aller doucement. Il y a un scarabée énorme. Oh non! Bon, bah tant pis. Hop. On va enlever les mauvaises herbes. Alors, il pleut, donc c'est pas tip top hein, pour faire la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a des coquillages. Donc les coquillages, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Après, c'est vrai que quand on en a beaucoup, c'est pas mal. Je vais équiper la canne à pêche et je vais essayer de pêcher un beau petit poisson. Alors, on va regarder, on va aller le long de la plage et on va voir s'il n'y a pas une ombre de poisson dans l'eau. Alors, faut y aller doucement, hein. Doucement, doucement, doucement. Ça se trouve, il va rien avoir. Ah, là, il y en a un. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Trop loin. Alors, on va reculer. Hop. Alors, faut vraiment que le poisson il voit là. Normalement, c'est au bout de 3, 2 et 3. Voilà, c'est bon. Donc, les plus durs à pêcher, ce sont les requins. Juste comme ça. Ah, ça commence bien, c'est pas mal. Tu as pris un poisson chirurgien qui va s'occuper de ses patients. Ha ha ha. Cette nouvelle prise va être répertoriée dans ton journal. Donc, en fait, mon journal, c'est en bas. Sur la petite, sur le petit écran. Et donc là, là pour l'instant, en papillon, insecte, on n'a rien ramassé. Et puis en poisson, on a maintenant le poisson chirurgien qui est juste là. Voilà, poisson chirurgien. Saison printemps-automne. On est en été, mais c'est pas grave. Habitat mer. Et puis là, ça va être tout ce qui est mollusque. Donc quand on va pouvoir aller nager, eh ben, on va attraper des petits mollusques. Alors là, il y a un autre poisson. Est-ce qu'il va me voir le petit? Est-ce qu'il va voir? Non, il va pas voir. On va reculer un peu. Vois mon petit hameçon. Et donc il y en a des fois, il mord au bout du premier, du deuxième. Plus généralement, c'est le troisième. Mais bon, faut être au taquet. Oh, il est trop mignon celui-là. Tu as pris un poisson papillon. Tu crois qu'il nage aussi le crawl. Donc il y a toujours un petit truc un peu drôle. Quand on le ramasse. Et donc là, si je vais dans mon journal de bord... Je vais voir le poisson papillon, bah, qui est juste en dessous, le poisson chirurgien. Donc printemps-automne, pareil, et il fait 18 cm. Voilà. Donc on va essayer de ramener le plus de poissons possible. Ah, mince. Et puis bah, on va aller voir Tom Nook, parce que maintenant qu'on a payé nos 10 000 clochettes pour la construction de notre maison, bah maintenant... Oh, bah, voilà, j'ai appuyé trop tôt sur A, ça me déconcentre de parler. on va aller faire un agrandissement de la maison. Ou un changement de façade ou moins de la clôture. On verra ça. On va voir ce que Tom Nook nous dit. Ah, mais j'ai encore appuyé sur A, c'est pas vrai. Ah, ça c'est un peu plus rare. Le corail c'est un peu plus rare. Enfin, je dis ça, j'en ai un autre direct. Mais c'est un peu, je crois que c'est ce qui est un peu plus cher par rapport aux autres coquillages. Allez, on se concentre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Un poisson bulle. Tu as pris un poisson porc épique qui s'y frotte, s'y pique. Donc là, c'est cool parce que moi, ce que j'aime bien aussi dans Animal Crossing, c'est qu'on puisse recenser tous les poissons qu'on a. Et recenser aussi bah, tout ce qu'on a attrapé. Après, mettre au musée si on l'a en double. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est pas forcément les vendre, à moins que je les ai en double. Mais c'est aller les apporter au petit hibou au musée pour bah, commencer notre collection, hein. Parce que c'est aussi ça l'intérêt d'Animal Crossing, c'est de faire une belle collection bah, d'objets préhistoriques, enfin de fossiles, de tableaux et tout et tout. Bon, j'ai appuyé trop tôt encore, c'est pas vrai, ça me déconcentre vraiment de parler. Excusez-moi. Alors là on va au bout, il n'y a rien. Ah, un autre. Oh, et deux. Alors vas-y, allez petit. Et donc si j'en ai un en double, eh bien sûr j'irai le vendre chez Risette. Donc on va voir si on en a un double. Ah non, un nouveau. Ah, oh, ça c'est ce qu'il y a de plus commun. Un chinchard, sachant chacher.
C'est le poisson le plus commun. Je crois qu'on peut l'avoir aussi en rivière, je ne suis plus sûre. Non, ce qu'on peut avoir en rivière, c'est un gros ver là, je sais plus comment il s'appelle. Mais qu'on peut avoir aussi facilement. Donc voilà, vous voyez là, on l'a eu deux fois de suite. Donc c'est vraiment le poisson commun qu'on va avoir beaucoup dans Animal Crossing. Hop, on va aller refaire un petit tour. Ah là, il y en a un autre. Il y a un autre petit poisson. Et donc, bien sûr, les plus durs à avoir, ce sont les requins. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas. On pourra en avoir un dès le début, je crois. Il veut pas me voir, le petit. Il m'a vu? Ah, c'est bon. Il m'a vu, je suis concentrée, je suis concentrée. Allez! Voilà, c'est bon. Et j'ai eu un... Oh! Un vivano. Pas mal. Ça, c'est pas mal, ça vaut un peu d'argent. Enfin, pas mal. Un pas mal d'argent, même. Donc, bah comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, on va pas aller les vendre. On va aller. À part le chinchard, parce que du coup, on l'a deux fois. Ça rapporte rien, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et on va aller mettre ça dans notre petite collection. Ah, bah, vous voyez. Donc là, le poisson chirurgien. Le poisson papillon, nous irons le vendre et nous irons donner un à. Au hibou. Ah, là, il y a un gros poisson. Mais je suis sûre que c'est un truc pourri. Des fois, on dit, ouais, c'est un gros poisson et tout, ça va être un truc trop bien. Tu galères à l'attraper et là c'est un truc tout pourri, t'es dégoûté. Alors qu'est-ce que ça va être? Ah oui bah c'est ça. C'est le bar commun, donc ça c'est pareil, c'est comme le chinchard, c'est le truc qu'on a le plus souvent. Mais bon. C'est normal d'avoir des trucs un peu plus communs. On peut pas avoir des trucs rares tout le temps, hein, sinon ça vaudrait pas aussi cher. Allez. Hein? Allez! Ah, j'allais appuyer. Ouh, là, surtout qu'il n'appuie pas. Ah non! Il reste encore. Non! J'ai appuyé trop tôt! Là, il y a tout. Ah, un petit poisson. Un petit poisson qui se balade. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu. On recule. On recommence. T'as vu? Tu l'as vu. Allez, un. C'est bon, ouh! J'ai l'appui au troisième et là c'était au quatrième. Oh, tout ça pour un chinchard. Un chinchard tout pourri! Allez, on continue. Un autre poisson ici. Ah, je pense que je l'ai lancé trop loin. Ouais. Un autre petit poisson ici. Oh non, il part sur le côté! C'est bon? C'est bon, c'est bon? Tu nous as vus? Allez, oh, tout ça, je suis sûre, ça devient un truc tout pourrite. Et en plus, il va tout au bord de l'eau, le truc le plus impossible à avoir. Ah, c'est bon. Je suis concentrée. N'appuie pas, Kim, n'appuie pas. C'est bon. C'est un... Oh, un petit poulpe. Un calmar, pardon. Cette nouvelle prise va être répertoriée dans ton journal. Oh là, un gros. Mais c'est possible que ce soit un... Un bar commun, encore. Mais bon, on va quand même tester, il faut quand même tester, ça coûte rien. À part un peu de temps. Ouais, c'est un bar commun, c'est sûr. Ouais. Mais bon, au moins ça en fait deux, donc on va pouvoir en vendre un et on va pouvoir... Ah. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Bon, ça ira. Tant pis. Bon, on va aller voir Tom Nook, on va aller donner ça au monsieur du musée. À monsieur le hibou. Ah oui, faut qu'on tape les petits rochers aussi. Pour avoir notre butin du jour. Là, il n'y a rien. Je sais pas s'il y en a par là. Bon, on va aller voir Tom Nook déjà. On va voir ce qu'il nous dit, le petit. Alors. Donc, on va à l'agence immobilière. Nook Immobilier. Pour faire soit un agrandissement, soit un... Je sais pas. Alors, bienvenue, bienvenue. Juste ciel. Kim, quel plaisir de te voir. La construction de ta maison est terminée, Kim. Tu es content du résultat. Tu vas enfin pouvoir vivre dignement. Mais revenons sur Terre. Déduction faite de la compte, il te reste 39 800 clochettes à rembourser. C'est une somme modeste pour un prêt, tu en conviendras, oui.
Oh non, tu ne m'as pas payé directement, utilise le DAC du bureau de poste, s'il te plaît. Oh, il n'y a aucune échéance, rembourse simplement à ton rythme. Oui, oui, encore un détail, tous les propriétaires d'une maison doivent devenir membres de l'Académie des joyeux décorateurs. Nous passons de temps en temps à inspecter une maison, une chance pour l'heureux bénéficiaire, l'inspection concerne les meubles, l'arrangement de l'intérieur, le niveau de propreté, etc. Si tu obtiens une note élevée, tu peux même recevoir un superbe prix pour récompenser tes efforts. La JD s'occupe de planifier les inspections, donc tu n'as pas à te soucier de rien. Quoi d'autre? Oui, les membres ont aussi accès au village témoin derrière la rue commerçante quand tu auras reçu la lettre confirmant ton adhésion. Passe donc y faire un tour. Très bien, oui. Oh, et viens me voir si tu veux discuter de tes prochains travaux de rénovation. Donc en fait, on va pas pouvoir faire l'agrandissement parce que j'avais oublié qu'il fallait rembourser le prêt. Donc on va rembourser, bien sûr, les 39 500, je crois, qui nous restent à rembourser de la maison que Tom Nook nous a construit. Donc on va aller au musée. Et puis, bien sûr, l'objectif maintenant, ça va être de gagner de l'argent. Et donc, tout simplement, pour gagner de l'argent, on va aller chercher des clochettes un peu partout. On va aller pêcher, on va aller chercher des insectes, des choses comme ça. Donc voilà, on va réveiller Thibou. Ouh, qui va là? Ouh, ça perdit Popette. Je te prie de m'excuser. Bienvenue au musée de GK Land. Je peux peut-être t'aider. Alors, on va faire une donation. Donc, nous souhaiterions donner un chinchard, un vivano, un poisson papillon, un poisson porc-épic, un bar commun, un chinchard on a déjà donné, et un poisson chirurgien. Et ça. Un calmar, voilà. Ouhou, tout ça, alors voyons. Fantastique. C'est avec joie que je te déleste. Ou ne te tracasse pas, laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Je vais tout de suite trouver un espace approprié, merci mille fois. En quoi puis-je t'aider? En rien, merci. Alors je te souhaite une excellente visite. Donc là, on va aller voir au rayon poisson. Voir nos petits poissons qui gambadent, enfin qui nagent tranquillement dans leur petit aquarium. Donc là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de poissons. Là, il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas nos poissons. Bon, on va aller autre part. On visite. Ah, là, il y a un petit poisson. Voilà, donc là, il y a notre vivano, notre bar commun, notre chinchard, notre poisson porc-épic. Et c'est tout. Là, il n'y a rien, c'est pour s'asseoir. Et il manque le poisson chirurgien et le poisson dentiste. Non, c'est une blague. Le poisson papillon. Ah, qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est des espèces tropicales. Donc, voilà, ça va être l'objectif hein, aussi, tout comme les fossiles, ça va être de compléter la collection de petits poissons. Enfin, petits ou gros poissons. Donc, nous sortons d'ici pour rejoindre le musée et puis aller chez Risette. On va aller chez Risette et en passant par les rochers pour avoir de l'argent. Et on va passer chez Risette pour avoir de l'argent aussi en vendant nos poissons. Hop, donc il pleut toujours, c'est génial, c'est magnifique, c'est beau, la pluie. Hop, on court. On va déjà voir chez Tom Nook ce qu'il a à vendre. Chez Millie Mello, pardon. Millie Mello, parce que du coup il doit avoir des petits trucs à vendre. Pour nous aider dans notre recherche de meubles pour la JD. Un panier de basket ou une guitare. Bon au revoir, c'est tout. On dirait moi qui fais les soldes, je rentre dans le magasin et je ressors 3 secondes après. Allez, hop. On va aller chez Risette. On se rejoint chez Risette. Ça y est, je viens de trouver notre rubis. Voilà. J'ai tapé dans un rocher, ça m'a donné un rubis. Donc je parle aux habitants en même temps. Ah bah non, mais je creuse pas, non. Rebouche le trou. Bonjour, petit crocodile, Ali. Nous n'avons pas encore été présentés, mais bien sûr, je sais qui tu es notre nouveau maire. Je me souviens que le jour de ton arrivée à GK Land, tous les regards étaient braqués sur toi. Oh, j'en oublie de me présenter, mon nom est Ali. Avec un peu de retard, je te souhaite la bienvenue à GK Land. Merci. Merci de me souhaiter la bienvenue. Hop. Alors, on continue. Tout ça pour aller chez Risette, c'est super loin quand même. J'aurais peut-être dû choisir une ville, mais comme je vous l'ai dit à chaque fois, une ville avec deux ponts. À moins que je puisse en construire un. Je crois qu'on peut en construire un plus tard. Ah, on va trouver nos fossiles. Donc j'ai déterré un fossile. Hop, on le rebouche. Un deuxième. Hop. Voilà.
Là, il y a un petit rocher. Il n'y a rien dedans. Un petit rocher. Rien dedans. Des mauvaises herbes. Hop, voilà. On fait le tour. Une mauvaise herbe encore. Il n'y avait plus de rocher, non. C'est bon. Une mauvaise herbe. Pourtant, il pleut, hein. Il ne devrait pas faner les fleurs. Ah, une mauvaise herbe de l'autre côté, d'ailleurs. Oh ! Un livre ! Tu as trouvé un objet perdu ! Quelqu'un l'aura sans doute laissé tomber. Tu devrais trouver de qui il s'agit et lui ramener l'objet. Ah ben on va aller à la chasse à celui qui a perdu son livre. Ok, on va rentrer dans la maison. Ah, Lynette, elle est sortie. Elle n'est pas ici. Donc bien sûr, on peut pêcher aussi des poissons dans la rivière. On pêchera plus tard dans la rivière. On va aller voir lui. Ali. On l'a rencontré. Bon, on va aller, chère Izette. Hop. Une mauvaise herbe au passage. Voilà. Alors, bonjour madame Izette. Nous voudrions vendre nos poissons. Combien voulez-vous nous les racheter? Bonjour, Anne, tu es la bienvenue. Hop. Je peux t'aider. Je viens te vendre ça. Alors, je viens te vendre. Une branche de corail, un rubis, un poisson papillon, un chinchard, et c'est tout. Alors, combien, vas-y, raboule le fric. 4300 clochettes. Bon, ouais, allez, vas-y. C'est d'accord. Il nous manque juste 24 000 clochettes pour pouvoir rembourser notre prêt. Alors, bah nous, va falloir qu'on retourne chez Monsieur Hibou. Mais avant ça, il faut qu'on fasse le tour des rochers, parce que normalement, il y a des petits clochettes dans les rochers, et il faut qu'on trouve le livre perdu à qui il appartient. Donc là, on a fait le tour des trois maisons qu'il y avait de ce côté-là. Donc il y en a deux autres. Il y a deux autres maisons. On regarde s'il n'y a pas des habitants, parce qu'ils pourraient nous parler et nous dire à qui c'est. Ah, bah là. Esther dit, elle s'arrête quand la pluie? Kim, tu sais, mais tu veux bien pas me le dire, Bibi. De quoi tu veux parler, Bibi? C'est à toi, ça. Ça, le livre. Enfin, l'objet perdu. Pas moi, désolé, mais ça doit bien appartenir à quelqu'un, alors persévère, Bibi. Ben, je vais persévérer. Au revoir. Hop, on va aller... Ah, il y en a un petit, là. Ah, mais c'est Ali. Ah, mais ça se trouve, c'est à elle ou lui. Elle, je dirais. Alors, dis-moi, que puis-je faire pour toi, Kim? J'ai trouvé ça. L'objet perdu. À qui ça peut bien être? Non, ce n'est pas à moi, mais je suis prête à parier que cela appartient à quelqu'un d'ici. Ah, merci, c'est trop gentil. Bon, allez, on repart à la chasse. Ah, non, Esther. On vient de la voir. On enlève les mauvaises herbes en même temps. Ah, ça peut être à la personne qui a été à l'intérieur. À qui appartient cette maison? Bonjour monsieur. Ah, c'est très japonisant. Très bois. Darius, yo madame le maire. Je m'appelle Darius, ce que j'adore, le sport, piaf. D'ailleurs, faut de l'endurance pour être maire, non? Ne serait-ce que pour supporter ses concitoyens. Yop, Kim, encore besoin de moi. J'ai ramassé ça. J'ai ramassé ce petit livre. Je n'ai jamais vu ce truc de ma vie. Désolé, Kim, il y a erreur sur le propriétaire. Bon, bah super, hein. Je suis pas rendue, moi. Hein. Ça va être le dernier, avec la chance que j'ai. Donc là, on a vu Darius, Esther, Ali. C'était à personne. Ah, c'est à lui, je suis sûre. Greg, oh, si seulement il pouvait arrêter de pleuvoir un peu. Je t'envie, Kim, tu gambades à travers la ville comme si de rien n'était. Tu voulais quelque chose sinon. J'ai ramassé ça. Un objet perdu. Ah, je le cherchais partout, c'est bon, on a trouvé. C'est bien mon livre, sans aucun doute, merci bien.
Merci de m'avoir apporté mon bien. J'ai que ça sur moi, mais prends pour te remercier un pull tartan gris. On va changer. Je vous ferai plus attention de ne pas faire ça la prochaine fois. Alors, on va essayer le pull tartan gris. Porté. Magnifique. On va le garder. C'est un cadeau, alors... Oh non, ça c'est un piège. On va le remettre en terre. Enterré. Voilà, il faut surtout pas marcher dedans. Voilà, on va marcher autour. Donc là, il y a de la mauvaise herbe. Et on n'a toujours pas trouvé notre rocher qui nous donnait de l'argent. Alors oui, il peut bien être notre rocher qui donne de l'argent. Là, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de rocher. Faut que je retienne vraiment où sont les rochers, hein. Ça, c'est vraiment important. Hop, 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 pas de rocher, pas de rocher, pas de rocher. Non, je suis pas du tout allée là-haut, en fait. Si, je sais plus. Là, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de rocher. Là, il y a un rocher. Non. Là, il n'y a pas de rocher, pas de rocher. Bon, sinon, tant pis, hein. Mais ceux-là, je les ai déjà faits, je crois. Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah, par contre, il y a ça. Il y a un petit trou. Ah, puis il y a un rocher juste à côté. Ah, je le sens bien, je suis sûre que c'est lui. Ah oui! Plein de sous! C'est bon, on a plein de sous-sous! Ouais! C'est bon, on a tout pris? Non, il nous manque une pièce. Voilà, donc on va aller empocher. 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 Ça, c'est vraiment bien, hein. Ça, faut le faire une fois par jour, hein, parce que sinon, regardez, il y a 2000 d'un coup, 4000 d'un coup, 1000 d'un coup. Ah, c'est vraiment bien. Donc, on va aller voir monsieur. Je regarde s'il n'y a pas de trop de fossiles. Avant d'aller voir monsieur le hibou. Enfin, Thibou. Non. Donc, on va aller voir on va revoir Thibou. On va lui faire expertiser nos fossiles. Et puis, on va s'arrêter là, hein, parce que ça passe vite quand même, hein. On travaille. Quand on travaille, ça passe vite. Hop, donc, on va aller au petit musée. Ah, on pourrait donner déjà un peu d'argent à Tom Nook. Ou alors, bah, dites-moi si vous préférez que je fasse petit à petit ou si je donne bah, les 32 000 d'un coup. Parce que je pense que les 32 000, on l'aura dans le prochain épisode, je pense. Avec un peu d'espoir. Wouhouhouhou, allez, réveille-toi, petit hibou. Si vous voulez pas le réveiller, faut aller la nuit. Hein. Parce qu'un hibou, c'est nocturne. Oui, tu veux m'aider. Examinez mon fossile. Alors. Donc, il y en a 3. 1, 2 et 3. Tiens, petit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fossiles? Rien que cela. Intéressant. Voyons voir. Pas de double, déjà. Hein. Je ne vois là que des fossiles que le musée ne possède pas encore. C'est une très belle surprise. Tu n'as un don pour dénicher les fossiles à ce que je constate. Je t'avoue que je t'envie ces trouvailles, puis-je te demander d'en faire don au musée? Une telle donation profiterait grandement à l'essor culturel de notre belle ville. Mais je ne veux pas te forcer la patte, aussi je te les rends, mais s'il te plaît, donne-les-moi. Donc il dit toujours la même chose, hein, mais bon. Donc maintenant on va lui faire une donation de nos 3 fossiles. Donc de notre aile droite de Ptera, queue d'iguanodon et crâne d'iguanodon. Voilà. Fantastique, c'est avec joie que je te le déleste. Ou ne te tracasse pas, laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Je vais tout de suite trouver un espace approprié, merci mille fois. Donc tu peux plus m'aider, hein, bien sûr. Et puis bah, on va s'arrêter là. On a 15 000 clochettes en poche, on a pêché. Donc là, bah, la prochaine fois, on ira capturer des insectes pour changer un peu. Et puis on ira pêcher dans la rivière cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous plaît toujours ce petit let's play. Donc faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour Animal Crossing et à samedi pour les Sims 4. Allez, salut!